Mesdames et messieurs, bonjour. Le réel plaisir est pour moi de vous avoir si nombreux dans notre chaîne RDC Monde, la chaîne de l'excellence, la chaîne du savoir. Nous sommes aujourd'hui 18 octobre, lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Hier, nous étions pour certains à l'église, pour d'autres dans des mosquées. Certains étaient dans leur lieu de prière, à la maison, je ne sais où. Mais nous avons été en communion avec notre Créateur. Et par la même occasion, je vis le président de la République, un homme d'État, un chef de l'État, au regard de toutes ses responsabilités, s'agenouiller. Il a participé, lui, bien sûr, à l'église Mamolangui, où il a prié Dieu, et il s'est agenouillé. C'était incroyable de voir un homme, au regard de sa grandeur, au regard de ses responsabilités, développer une telle humilité vis-à-vis de son Seigneur. Et je crois, par la même occasion, il a jeté vers Dieu ma responsabilité na union, il a jeté vers Dieu sagesse pour que à gouverner Mbokanamiso. Mesdames et messieurs, comme nous le savons si bien, l'actualité est restée dominée par l'entérinement yeba membre ya CENI. Bande ko nangai bruyo kama solo ya sonmo. Ya somo na kati émission. Je me suis rendu compte na ko tala kam nenge nyonso actualité etamboli que la Senoko roulé pour Moïse Katumbi. Nenge basalaka na ba élection en 2018 oyo bakabela bango ba téléphone ba smartphone bango mo balobaka yango, parce que quand vous avez suivi les discours ya Bécholi à l'époque balobi bazalaka na ba observateurs électoraux partout bazalaki ko salela ba téléphone sur la même déclaration qu'avait fait Olivier Kamitatou na Moïse Katumbi ki ba pesaka ba observateurs électoraux na bango ba téléphone na ekomona yango. Pour entériner les membres de la CENI, ce genre était de mèche. Donc, selon la 4e émission. L'entériner les membres de la CENI, éviter le président de la République piège, lui tondit par la CENCO et le camp Moïse Katumbi. Et voulait va continuer à maintenir tergiversation, ma caprice, pour que ça la lie pour un glissement et pour un blocage électoral. De tout l'ancien temps, comme en 2023, que l'élection salamité, il y a responsabilité entière dans mon conseil Mboka. A salissima pour la mité, va créer toutes sortes de zizanies pour que tout simplement, on a compris l'air salgé et le peuple congolais allait réveiller. Je reviens sur la déclaration de l'abbé Donatien Cholet. Après, parce que dans minute au fond, ok, l'abbé Cholet est entré, est en passe au Kenya, Lubumbashi, où il va rencontrer Moïse Katumbi pour peaufiner ma dernière stratégie. Nengeni, il va faire reculer la machine où il se mettre déjà en place, la machine où il indique que l'élection est salamana 2023. Il a fait une déclaration dans laquelle il a demandé au président de la République à utiliser sagesse naïe. De deux, il a dit au peuple congolais de rester vigilant et mobilisé pour na batelemela en guillemets. Mais ce qu'il qualifie de Azobengango pour lui, c'est Foxing. Il dit Monsieur Denis Kadima est le président de la CENI le plus contesté dans l'histoire de notre pays. Voilà les mensonges. Voilà où j'aime pas les hommes de Dieu. Voilà les mensonges des hommes de Dieu, des gens de l'église où il va aller qu'on tient foi et ma fidèle Nabango en danger à cause il y a ma caprice, ma position Nabango partisane. Il dit Denis Kadima est le président de la CENI le plus contesté dans l'histoire électorale et en Bokanabiso. Il a été entériné les samedis. Je vis partout, c'était calme. Partout, c'était calme. Toutes nos projections. Bakanisito zalagi na yango, tu veux comprendre que ah, que peuple congolais nda sepeli na bureau ya CENI na ninga bon. Les gens étaient calmes. Il y a eu un samedi, il y a eu un dimanche et aujourd'hui il y a eu un lundi. Mais quand nganga nzambe azolo ba été. Il est le président le plus contesté. Qui l'a contesté? Est-ce le peuple ou Yéna Moïse Katumbi ne va contester? Tombe ma solo na katia émission. Bandeko, nena ou tcholo bangwa en termes de cette émission. Il y a eu un moment de turbulence. Parce que des gens voulaient répondre à ma dictat. Il y a un camp politique. Les gens voulaient mettre la nation en péril. Les gens voulaient mettre la République jetée en pâture. Parce qu'il fallait à tout prix bloquer la machine. Et pour un intérêt, pour un but précis.
que les élections ne se tiennent pas dans le délai constitutionnel et puis bah tiens responsabilité, on n'a pas président de la République en 2023. Comment le jeu était fait? Totoyo, Moïse Katumbi, utiliser l'église catholique, à la blocage côté à confession religieuse pour que le président à la désignité, va s'opposer dans le groupe IAG 6, considérant que 6 est la majorité, tous allés dans la démocratie. Tant au consensus et salamité, il faut tout promouvoir, voilà, majorité. Et de l'autre côté, quand Moïse Katumbi, il y a coupé ça. Bah, représentant la Bango, Pona, tout justement, bah, rempli. Parce que c'est ni au tout en haut, et ça a 15 membres. Voilà comment Bandeko ont été prêts à trahir le pays, à sacrifier le pays, pour avoir intérêt à Bango Mesquin. Face à tout ça, il y a une nécessité pour éviter le blocage du processus électoral, mais aussi pour éviter tout glissement dans l'échéance électorale il y a 2023. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est assumé en toute responsabilité pour éviter un glissement, pour éviter un blocage. La voie, raison, voie démocratie. La voie de la démocratie, c'est laquelle? Ce que vous vouliez, il fallait consensus, c'est ça la main. Beaucoup de ça l'a voté. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas mis d'accord. Vous avez jeté, vous avez mis en berne la foi chrétienne, l'église. Certains fidèles faibles, bah, comme ils choqués, dessus l'attitude des hommes de l'église. Bah, toi, au canaté. Bah, toi, soit dans le coin là-bas, la Bazondongwana à tout moment. Bakomi ko bimisa ba biloko ozayi ya ko batama bakomi tchong sur la place publique. Makamba bozoba des choses qui ne vous honorent pas. Face na blocage wana, face na perceptive ya glissement à venir. L'Assemblée nationale s'est affirmée. L'Assemblée nationale est Salim Moussala. Institué qui commission, commission PC par rapport na ngo, ba monique la voix de la raison, il faut que les pays avancent. Eh, je l'ai si bien dit, la République, ce n'est pas les caprices des individus, ce n'est pas des sauts d'hiver. Non, la République est vivante dans la capricité. La République, c'est un respect à mes becs, respect à ma texte. Que disent la loi? Que disent les lois? Mes becs, l'obinini. En cas de blocage, et Sengeli, interprétation, et Sengeli, sagesse, et l'Assemblée nationale, le 16 octobre, a démontré voie sagesse naïe, a évité mboka glissement, a évité mboka blocage. Après, que ma kamouane salama, moi je voulais entendre, je crie entendre que Ensemble pour la République, ils directement. Non, ils n'ont pas fait. C'est quelques hommes qui basoient ma politique des alignés, qui ne savent pas quel est le vrai enjeu de la République. Basoient ma place ni nimbo que fallait kende. Ils sont entre les terres du verset. Ma caprice, gars ils font nazar. Ils avaient dit non loi Tchani, ce que balégué c'est une ligne rouge. Désignation à membre enseigné, ligne rouge. Quelle des lignes rouges? Quelle des caprices? Et Denis Kadima a été entériné. Il y a eu un 16 octobre, il y a eu un 17 octobre, aujourd'hui nous sommes le 18 octobre, le pays a avancé. Et je dis, coup de chapeau à l'Assemblée nationale d'avoir choisi cette voie de la raison. Coup de chapeau à monsieur, au pasteur de Dokamba, qui a tenu tête face à ma menace, ma insulte, ma campagne de dénigrement contre sa personne. Il a tenu et aujourd'hui, Ndeko et le président Kadima Biaseni, que je souhaite bon vent, qui on espère, et même le fruit de l'église kimbanguiste. Ce n'est pas le fruit de Dodo Kamba, c'est le fruit de l'église kimbanguiste. C'est l'église kimbanguiste qu'il a choisi, c'est le représentant Nabango. Vous voulez quoi? Fallait tout foutre à Melabino? Fallait pleurer, fallait pleurnicher devant vous. Non, nous devions nous assumer. Et la représentation nationale s'est assumée. Ma pessimiste au bureau de l'Assemblée nationale et bureau Yasséni. Et donc, la voie vers les élections est comme irréversible.
Nzela, ma bonne amie, est comme irréversible. Préparez-vous aux élections, monsieur. Nani, Dona Saint-Cholet, Abbé Cholet. Préparez-vous aux élections, monsieur Cholet. Oligny, ma bonne amie. Tu veux faire la politique? Alors on la soutient, c'est simple. Préparez vos élections. Bah, votez où? Pourquoi? Comme il met la bâton, pas caprice, il y a pamba pamba. Et en plus, vous dites, monsieur l'abbé Cholet, que vous allez dans le plan B. Je vous rappelle que ce n'est pas votre premier plan B. Il faut tomber dans le plan B au carré. Parce que le premier plan a existé, qui n'a jamais été appliqué, du chantage. Et aujourd'hui, deuxième plan, est commis, plan B au carré, ajoutez à cela le nom, tantôt qu'il n'y a qu'un dialogue, Yassenko. Vous avez dit que vous connaissez le nom, oh, le sphinx, c'est un tisséki d'appel Sagibino. Il fallait qu'il me transmette. Bohébi Yango. Une enveloppe secrète, une enveloppe scellée, fermée. Bolobara que boyebi combo ya muto et tient tisséga la tira na kati ya ya lettre. Si le lobo tira le lobo ya monte. Pourquoi vous baba tout boy? Pourquoi vous voulez vous amuser avec les gens? C'est pas normal. Ce n'est pas normal, monsieur l'abbé. On vous respecte tellement. Vous êtes des hommes de l'église, mais soyez à la hauteur. À la hauteur, il y a vocation nabino pastorale. À la hauteur, il y a mission nabino sacerdotale. En lieu et place de devenir des obstacles pour le bon déroulement de la République, pour l'avancement du pays, vous constituez vous-même le nœud du problème. Vous constituez vous-même le nez à blocage. Vous ne voulez pas que le pays avance. Ce n'est pas normal. Pas du tout normal. Hier, c'est-à-dire avant-hier, après l'intérim, il y a ensemble. Et vous savez, je vous dis, que parmi les gens au Basali intérimé, mon Kwasali ensemble pour la République. Je vais citer son nom. Un et deux ensemble pour la République. Pourquoi ce jeu joue à ce jeu de deep? Vous êtes là, vous faites autre chose le soir, la nuit, le matin vous faites, vous donnez notre image. Soyez correct. La politique est l'ingaka, mensongeté. Politique est l'insincérité. Vous êtes avec le peuple ou vous n'êtes pas avec le peuple? Samedi, après que le bureau de la CENI est à l'entériner, Diego Martin fait pas la marche dans bande au tambola. Déjà on n'a pas trop parlé parce que je ne crois qu'il y ait un problème de mobilisation. Et c'est ce que moi je disais à Moïse à Ngobila. Laissez Martin Fayulu marcher. Laissez-les marcher. Laissez-les. Peut-être qu'il a rebloqué. Laissez-les. Là il a marché. Ça fait quoi? Les samedis, comme je l'ai dit tantôt, après qu'il va entériner ma membre Seni, l'état-major. Bah, Grégory Barticle avec leurs journalistes. Et bah, ça lui rappelle les troupes. Certains journalistes, Netu Lobby, Pierrot Loara, je cite, un frère que je connais, bah, ça lui va se rendre dans Lubumbashi. Et après, en gros, j'ai appris de mes sources que l'abbé Chole aussi devait aller à Lubumbashi. Je ne plaisante pas. Moi, je dis des choses avec conviction. J'ai appris que l'abbé Chole devait aussi se rendre à Lubumbashi pour qu'il va peaufiner ma stratégie. Et on soulevait la population. Enfin, va jeter du distredit sur le bureau de la CENI pour que le peuple congolais va rejeter Denis Kadima. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous allons déjouer votre plan diabolique et machiavélique contre le peuple congolais et contre le président de la République. Nous voulons les élections en 2023. Et le président de la République est fermement résolu à reconnaître ma problème en 2023. Ne venez pas avec des aventures. L'abbé Cholet est en train de se rendre au Lubumbashi de la même manière que Moïse Katumbi a subventionné Rabango, a payé Rabango Moussala pour nous surveiller l'élection en 2023 et en 2018. Ils vont exactement pour nous retirer plan envie et refaire reculer. Bureau Yasseni, envie, il a rejeté discrédit. Et le ça, confiance au peuple congolais. Mais je sens qu'ils vont échouer parce que,
quand Lenny Kadima est sorti président, quand le bureau, parce qu'il ne faut pas personnaliser les débats, c'est le bureau de la CENI. Quand le bureau est intérimé, je sens que le peuple n'a espoir. N'a sengo. Parce qu'ils se sont dit, le peuple s'est dit, vraiment, très à ma ponami, et l'ongo est déjà dans la gare, et roté le malessouté. Monsieur Abbé Cholet, mes frères, répentez-vous. Si vous voulez la politique, laissez vos soutanes, vos stylés. Vos stylés, t'as la lingua là. Où les gars vos stylés. En lieu et place, on sait la politique par procuration. Ce n'est pas bien. Et ça m'a lamenté. Des attitudes. Qui frise le scandale. Bah, attitude, il y a tout, bah, lingui république. C'est anti-républicain ce que vous faites, monsieur. Anti-républicain. Et ça, c'est naté. Mesdames et messieurs, le pays avance, lentement et sûrement. Les choses commencent à se dessiner petit à petit. L'espoir revient. Les gens, les Congolais veulent régularité à processus électoralement. Tout le monde, ma pounami, comme un ressource, ma ramouyandoto, qui est battu ma prière pour que l'élection soit là. Que les gens passent les nuits dans ma veille des prières. Que les gens m'accordent ma retraite. Est-ce que ma pounami est comme ça? Et vous allez en dégénini. Non, nous voulons que ma ramouyandoto soit là. Bien. Et j'ai oublié aussi une chose. Parmi les gens, oh, ma bénissi, l'ouchafé, ma bénissi, baron. Celle-ci, baza, baza, kende. Katanga, la Kokutana Moïse, les fournisseurs. Pour que, à tiens, une stratégie, bah, créer une stratégie, comment faire équiler le bureau de la CENI. Et en plus, moi je me demande, est-ce que on a certains Congolais, bah, tiens, on a une place et un cerveau. Oh non, le président de la République, à tiens, de Konaye, Kassayen, qu'on n'a pas à tiens, de Konaye, la Cour constitutionnelle Kassayen. Pour ben, l'élection en 2023, ils ont longueur d'aventure simple. Ndeko, je vous pose une question. Vous avez les Nabandi, je crois que vous êtes intelligent. Est-ce que ça, Félix Tshisekedi dit que vous avez tangi ça, dit de Nekalouba? Donc, il y a un commissaire qui a droit à la G1, il y a tangi ça, il classe, ça fait ça, TFC, il y a un commissaire mémoire, à sali ça, il et puis c'est lui, même toi comme ça est docteur, et puis il est comme ça est professeur, et puis il est comme ça est professeur à une figure qui est à droite. Faut être bête pour réfléchir de cette manière. Faut être stupide pour réfléchir de cette manière. C'est le président de la République, il est comme ça dit donner Kalouba professeur. Il a droit en plus. Dino Kalouba était professeur avant que Félix devienne président de la République. Comment vous allez dire que il est salié, il est fabriqué? Non. De Nekalouba et les fruits de lui-même, les fruits de son travail harassant et acharné. Vous dites que Félix Tshisekedi a pris son frère. Mais monsieur, vous voulez vous amuser avec qui? Félix Mtatangisi, Kadima, les questions électorales, Yemouta commissaire expert électoral. Tangou s'église et Kimbangis c'est le bagage expert Nabiso électoral. Yeyo. Félix, je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Non, il ne faut pas vous amuser. Je mets en garde toutes ces personnes qui développent les attitudes anti-républicaines pour que bah, ça là, que le pays n'avance pas. Nous avons besoin de laisser à notre prospérité un pays debout, un pays fort. Et pour ce faire, nous devons soutenir les institutions de la République. Participer à la construction d'un bon cannabis. Participer au développement de notre pays. Et c'est ça le travail que nous faisons. Moi, je fais ma part. Vous aussi faites la vôtre. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Restez branchés au programme de notre chaîne RDC Monde. Abonnez-vous, partagez, commentez. Merci à vous tous qui avez émis des commentaires. Ça montre que nous sommes en communion. Je vous remercie sincèrement et je vous remercie de tout cœur. Je dis merci à mon frère Rodrigue qui était derrière la caméra. Je dis merci à la visionnaire maman Pauline Lumumba. Que Dieu
vous garde. S'il ne revient pas si tôt, nous allons nous revenir, nous revoir demain 19 octobre avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande Gonanga, Kotongamboka, Esengika Bolingo. Bino moko bomoni, transparence de l'axibino, côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya, to sangana, to tongamboka na biso, le grand Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, à Genève.